Dans le cadre de la 11e journée Bopeto, la coordination Kinshasa Bopeto dirigée par Germain Pundu et Sido Kassanda, assistée par le ministre provincial de transport à Monsongo Kousso et celui de l'intérieur Sam Leka, ont bravé le saleté de rue de la capitale pour matérialiser la vision de Jean Tiling Obila, gouverneur de la ville province Kinshasa, de rendre propre l'environnement. De leur descente de la maison communale de Massina, où ils ont enlevé les immondices et assaini le milieu. Ceci malgré un embouteillage monstre qui caractérise ces coins de Kinshasa. Le coordonnateur adjoint Sido Kassanda a essayé à sa manière de réguler la circulation en sensibilisant le chauffeur. Le 11e journée, vous pouvez auto lancer. Mais vous avez un quinoa aussi qui poubelle à Awa. Vous avez un quinoa qui poubelle à Awa. Vous avez un quinoa qui poubelle à Awa. Vous avez un quinoa qui poubelle à Awa. Vous avez un taliban qui poubelle à Awa. Vous avez une mentalité. De là, c'est à Limété, 8e rue, qu'ils ont clôturé leur tournée de suivi aux alentours du ministère Amen de l'apôtre Léopold Mutombo, où les fidèles étaient déployés sur le boulevard Lumumba pour des travaux. Une manière pour cette église d'accompagner la ville dans cette opération. Le gouverneur veut la bonne santé de sa population. Or, s'il y a beaucoup de la saleté, la population est exposée à beaucoup de maladies. C'est comme ça qu'il avait pris les initiatives de lancer à Kinshasa Bopeto, et c'est le chef de l'État qui avait d'ailleurs lancé cette opération. Et nous sommes sur le terrain pour essayer un peu de pérenniser cette action. Kinshasa Bopeto, cheval de bataille du numéro 1 de la ville-province de Kinshasa, Jean Tiling Obila, envie de booster la saleté de l'agglomération kinoise.